Bonjour tout le monde. Merci d'être venu cet après-midi. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle BANQ Numérique, qui est né de l'initiative de notre PDG il y a déjà presque un an de ça. Mais je vais vous parler un peu de BANQ aussi. C'est une institution qui est en place depuis déjà 1967 à ses origines au sein de la Bibliothèque nationale du Québec. Ensuite, avec la fusion qui a eu lieu en 2002 entre l'organisation de la Grande Bibliothèque à Montréal avec Bibliothèque nationale et ensuite en 2006 avec les Archives nationales du Québec. Donc, c'est une agrégation d'institutions qui s'est réalisée avec trois missions principales, notamment une mission de conservation et de diffusion du patrimoine, Bibliothèque nationale, diffusion et promotion du savoir, qui est plus autour de l'aspect de la bibliothèque publique, qui est représentée par la Grande Bibliothèque à Montréal, et une mission aussi dans le domaine des archives nationales du Québec, archives privées aussi. Il y a un certain nombre de fonds d'archives privées, mais grosso modo aussi, ce sont les archives du gouvernement du Québec, les archives publiques. Donc, trois grands ensembles qui comprenaient des documents aussi, qui étaient gérés par chacune de ces institutions-là. Et au centre de tout, ce qu'on veut créer par BANQ numérique. Donc, rassembler l'offre numérique de ces trois grands corpus en une seule offre unique pour l'usager. Ça comprend des documents patrimoniaux, bien entendu, mais aussi donner accès à des documents tant d'archives que des documents qui sont issus du dépôt légal, par exemple, et aussi des abonnements que la Grande Bibliothèque prend pour les abonnés de la Grande Bibliothèque. Donc, je vais vous faire juste un petit profil. Comme on m'avait dit qu'ici, il y avait beaucoup de développeurs web et de marketeurs web, je vais vous faire juste un petit profil de l'identité technologique de BANQ. Là, on a environ une centaine de services informatiques qui sont offerts chez nous. Ça a l'air de rien, on est une bibliothèque finalement, une bibliothèque centre d'archives. On a environ 400 serveurs dans toutes sortes de saveurs aussi. On a des systèmes qu'on appelle, on pourrait dire, de legacy. Là. Entre autres, les systèmes de bibliothèque reposent sur des formats qui ont été mis en place il y a environ 45 ans. Le format natif derrière ces logiciels-là, ça date de quand même il y a très, très, très longtemps. Donc, ça nous fait quand même une infrastructure assez lourde à supporter et on a développé un paquet d'applications pour propulser les documents numériques, justement, avec ces composants-là. Je ne les passerai pas, c'est plus ou moins pertinent pour la rencontre. Donc, BANQ numérique, c'est la convergence d'une idée de notre PDG qui, quand elle est arrivée en fonction il y a plus d'un an maintenant, dans une entrevue au Devoir, elle avait dit « Moi, je veux créer une grande bibliothèque numérique », un peu à l'instar de ce qui se fait en France avec Gallica, pour ceux qui la connaissent, qui est la grande bibliothèque numérique de la France. Et de là, avec cette simple phrase-là, on a dit ben, « Qu'est-ce qu'on pourrait faire au Québec, justement, pour créer une grande bibliothèque numérique, qu'on a appelée BANQ numérique. L'initiative a été financée par le plan culturel du Québec, plan culturel numérique du Québec, qui est en place au ministère de la Culture et des Communications, qui s'est mis en place donc avec trois grands axes. Donc, créer des contenus culturels numériques. Nous, on en a déjà des contenus, mais on a reçu donc de l'argent du financement public pour aller numériser notamment encore plus de documents dans nos collections. On a un potentiel immense, ne serait-ce que pour les revues et journaux, par exemple, qui ne sont pas déjà numérisés, qu'on a en microfilm ou en microfiche, qu'on doit passer, donc, qu'on doit les scanner et carrément faire de l'OCR aussi, des journaux papier qu'on doit passer aussi en numérisation. Il y a évidemment beaucoup d'argent qui est investi pour de l'infrastructure, de la capacité de stockage, par exemple. Là, on parle, nous, chez nous, en termes de pétabytes. Là, on n'est plus rendu dans des gigabytes. On parle en pétabytes de potentiel et on est en train de faire de l'acquisition, justement, pour pouvoir supporter tout ça. Donc, les trois grands axes, créer des contenus culturels numériques, innover pour s'adapter à la culture numérique aussi. Il y a une pratique de la culture numérique qui est à faire. Tantôt, j'entendais des gens qui parlaient, bon, au niveau de l'industrie, on avait quelqu'un du ministère de l'innovation numérique
qui nous parlait, bon, au niveau des entreprises, qu'est-ce qu'il y avait à faire, à mettre en place. Nous, à BANQ, on s'intéresse beaucoup aussi à l'usager, à l'utilisateur, aux citoyens, comment s'approprier la culture numérique. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont à faire dans ce domaine-là, et le ministère de la Culture et de la Communication peut nous supporter là-dedans. Et enfin, diffuser les contenus culturels numériques. Et là, on tombe vraiment dans ce qui est BANQ numérique, la diffusion. Les mesures qui nous touchent au sein du plan culturel numérique, en fait, il y en a quatre principales. La mesure numéro 4, adapter les plateformes web de diffusion pour les rendre accessibles sur tout type de dispositifs numériques. Ça comprend surtout le web adaptif, par exemple. Adapter toutes les plateformes pour qu'elles puissent être diffusées selon l'appareil qui est utilisé par les utilisateurs. Donc, il y a eu beaucoup d'emphase qui a été mis là-dessus. Ensuite, la mesure numéro 6, aider le réseau de la culture à s'approprier les technologies du web sémantique. J'y reviendrai tout à l'heure, je vais vous en parler peut-être un petit peu plus en détail, parce que c'est un volet, je pense, extrêmement prometteur pour l'appropriation des données numériques, notamment. La mesure 39, numériser et diffuser des collections. Donc, on numérise à plein chez nous pour rendre ces contenus-là disponibles. Et enfin, la mesure 45, préparer des contenus pour alimenter le répertoire du patrimoine culturel du Québec. C'est un projet qu'on mène notamment avec nos collègues du ministère pour essayer de rassembler, par exemple, toutes les données qui proviennent de notre institution, mais aussi les données qui viennent des institutions qu'on dit du GLAM, là, les Galleries, Libraries, Archives and Museums. Donc, tous les musées québécois, par exemple, aussi, ont énormément de potentiel à diffuser leurs données. L'objectif principal de BANQ numérique, donc faire rayonner la culture québécoise partout au Québec et la mettre à disposition de l'ensemble de la planète. Excusez si je lis un petit peu au début, après ça, on va rentrer un peu plus dans des choses un peu plus intéressantes. C'est notre projet phare à BANQ pour l'horizon 2020, de mettre BANQ numérique disponible, le rendre accessible à tous les Québécois. Donc, l'ensemble des ressources numériques du patrimoine documentaire conservé par BANQ, donc un volet patrimonial extrêmement important, mais aussi toutes les ressources pour lesquelles on est abonné à BANQ et qu'on vous rend disponible quand vous êtes à votre tour, abonnez à BANQ. Ça comprend énormément de ressources en termes de livres numériques, par exemple. En informatique, on en a tout plein aussi. Et des bases de données bibliographiques, mais beaucoup plus aussi des journaux et revues en ligne, etc. Je vais détailler un petit peu cette offre-là aussi. Dans le projet, on avait 8 grands principes directeurs. Je ne vais pas les passer au complet, mais comme je le disais, comme l'institution a quand même plusieurs années derrière elle, on avait beaucoup mis en place des outils de valorisation du patrimoine documentaire et dans toutes sortes de technologies. Il y avait des couches de sédimentation assez importantes là, qui avaient été faites avec toutes sortes de plateformes, d'outils différents. On était beaucoup dans l'open source aussi, ce qui fait que ça devient un petit peu difficile à maintenir. Donc, on veut rassembler tout ça en un tout vraiment cohérent avec un principe de UX, évidemment, au niveau des interfaces très, très, très présent. Pardon. La recherche, la découverte, le partage sont les fondements de son identité aussi, parce qu'évidemment, on veut se rendre ces contenus-là disponibles. Ça prend des bons outils de recherche et des bonnes métadonnées pour pouvoir les repérer, bien entendu. L'ouverture tous azimuts est son fil conducteur. Donc, on va beaucoup diffuser, mais on va s'attendre aussi que les gens vont pouvoir participer par du crowdsourcing, par exemple. Les gens vont pouvoir rajouter des tags. On n'est pas encore rendu tout à fait là dans notre plan de développement, mais dans un avenir rapproché, les gens vont pouvoir même taguer des photos. Nous, un de nos problèmes, c'est de pouvoir décrire l'ensemble de nos collections. On a des gens très, très professionnels pour le faire, mais devant la masse de données pardon, qu'il y a à indexer, ben, on suscite la part de nos usagers pour le faire aussi. On le mentionnait, le contenu et les services sont adaptés à toutes les plateformes et à tous les écrans. On veut être totalement web responsive et on croit que le contenu, parce que BANQ numérique, c'est surtout un projet de contenu, celui-ci mènera naturellement à la création de services connexes. Le développement, ça va être en mode bêta. Hein? On va être en mode bêta pendant plusieurs années parce qu'on va rajouter constamment des services, on va raffiner des choses, on va sûrement refaire des choses. On va se faire souvent des audits, notamment en UX, parce que les usages et les pratiques changent quand même assez souvent aussi. Ah oui, c'est gratuit pour tout le monde.
Vous allez voir que tantôt, ça va être vachement intéressant pour vous d'utiliser certains des services qui sont déjà disponibles dans BANQ numérique. Tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est être abonné. Tous les résidents du Québec peuvent s'abonner à BANQ. On a deux types d'abonnements, les gens qui viennent à la bibliothèque pour emprunter des livres, mais aussi les abonnés à tous les, aux services à distance, pardon, qui, de la maison, peu importe où ils sont, peuvent avoir accès à ça pour télécharger des livres numériques, par exemple. On a 5 ou 6 grands fournisseurs de livres numériques desquels vous pouvez emprunter des documents, des romans, des ouvrages documentaires aussi. Il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Notre inspiration pour l'interface qu'on a bâtie, principalement 2 sources. Celle de gauche, qui est la New York Public Library, pardon, qui dernièrement a rebâti son interface, et Netflix. On voulait quelque chose de tout à fait user-friendly pour que les gens puissent se repérer assez rapidement. Nous, notre premier défi dans la phase 1, c'était de circonscrire les grands corpus documentaires que nous possédons dans nos collections et nos services, mais aussi ceux auxquels on est abonné, comme je vous en faisais mention tantôt, on est abonné à plus de 260 ressources externes qu'on peut vous repasser en utilisation par la suite. Je passe quelques instants là-dessus. C'est le schéma qu'on a présenté à notre PDG pour que ce soit assez parlant, pour décrire un peu qu'est-ce qui était pour constituer BANQ numérique. Donc, dans la couche la plus profonde, il y a des systèmes fondamentaux, si je puis dire, là, l'entrepôt de diffusion, bien entendu. On a un gestionnaire d'actifs numériques qu'on utilise pour notamment gérer les droits d'utilisation, si on peut l'afficher, à qui on peut l'afficher, ce genre de choses-là, parce qu'on détient certains documents dont on n'a pas des droits de diffusion tous azimuts, mais restreints peut-être seulement dans les édifices de BANQ, par exemple. Autrement, on gère aussi ce qu'on appelle on est en train de développer le dépôt numérique fiable, qui est un dépôt numérique qui nous permet, dans le temps, de pouvoir s'assurer de la pérennité des documents. Quand on vient déposer des documents chez nous, il faut qu'on puisse s'assurer, je parle de documents numériques, qu'on va pouvoir les consulter dans 20 ou dans 30 ans. Donc, il faut s'assurer que les formats qui sont déposés chez nous, on va pouvoir les faire évoluer. Je pense au PDF, par exemple. Si on nous dépose un PDF qui date de peut-être 7, 8 ans, 10 ans, c'est pas garanti que le PDF Reader, dans 10 ans ou 20 ans, va encore exister et s'il va pouvoir lire le format PDF de l'époque. Donc, il faut faire évoluer les documents dans le temps pour s'assurer qu'ils sont toujours pérennes. En même temps, il faut s'assurer que le contrôle du bit est toujours bon. Là. Sur 30 ans, on repasse systématiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de détérioration. Même si c'est sur des supports soi-disant fiables, il faut quand même faire ce genre de vérification-là. Et on a une charge aussi au niveau du gouvernement de s'assurer que quand il y a, disons, un viaduc qui tombe, comme c'est arrivé sur le pont de la 19, là, il y a... je ne sais plus, 10 ans, 12 ans, les ingénieurs, c'est chez nous qu'ils viennent cogner pour avoir les plans, parce qu'on a cette obligation-là. Ça, c'était des documents papier, mais on a reçu les documents de la commission Charbonneau. Et il y a beaucoup de stock là-dedans. On a souvent des demandes d'accès à l'information. Et une des dernières demandes, en fait, il y avait à peu près 30 gigaoctets là, qui nous demandaient de données. Fait qu'il a fallu même encrypter ça sur des clés, parce que là, on dépassait les capacités des CD et des DVD. Ça fait que ça, c'est fait dans cette couche-là. Ensuite, on a un ensemble de systèmes qu'on veut bâtir, ne serait-ce qu'un serveur d'images, par exemple, pour pouvoir servir les images dans le format demandé par l'usager. S'il veut faire une commande, parce qu'il y a un volet assez important de commercialisation qu'on veut développer dans BANQ numérique, l'usager ne se contentera peut-être pas simplement d'un format JPEG s'il veut pouvoir le réutiliser pour quelque chose de particulier, un serveur d'image va pouvoir lui donner le format de plus haute résolution qu'il commandera. Les 3 grands piliers sont dans la couche bleue, si on veut, là, identifiés par les collections patrimoniales, les affiches, les estampes, les cartes postales, les cartes et plans, les journaux patrimoniaux, par exemple, sont dans ce volet-là. Les livres et services, les livres numériques et les services externes, comme je le mentionnais tantôt, tous les abonnements que BANQ a pris à des services externes sont aussi compris dans ce volet-là. Si on va un peu plus à droite, un serveur de données, data.banq.qc.ca, qui viendra probablement à partir de l'année prochaine.
parce qu'on a beaucoup de données qu'on veut ouvrir. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Données ouvertes, données structurées et même web sémantique pour faire partie de la, pardon, de la toile du web sémantique. Des axes de personnalisation, de commercialisation, de contribution aussi, parce qu'on veut que nos usagers puissent nous aider à enrichir nos collections. Intégration avec les réseaux sociaux, pour l'instant, de façon assez timide, mais qui va se développer progressivement. Et aussi qu'on puisse nous repérer facilement par les moteurs de recherche. Je pense à Google, on y reviendra tantôt, par rapport aux données structurées notamment. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'usagers qui peuvent venir, pas directement chez nous, mais qui vont arriver par l'indexation organique que peut faire Google, par exemple. La phase 1 est déjà en ligne. On peut y arriver par le site de BNQ, donc www.bnq.qc.ca ou par numérique.bnq.qc.ca. Pour l'instant, si vous tapez BNQ et numérique dans Google, on ne le trouve pas, puis je vais vous dire pourquoi tantôt. C'est l'interface qui est présentement en ligne de BNQ numérique. Donc, on constate un peu l'inspiration à la Netflix avec des carousels. Avec le doigt, on peut promener, donc on peut faire défiler les différentes ressources. Vous en voyez quelques-unes qui sont ici. J'en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. Donc, une déclinaison créée en Bootstrap. Pour le Web Responsive, on a choisi un framework qui s'appelle Bootstrap. On avait le choix entre Foundation, qu'on avait commencé à faire avec Foundation, mais on a passé à Bootstrap pour toutes sortes de bonnes raisons, notamment que l'interface est créée de notre côté avec un nouveau framework qui s'appelle AngularJS. Et selon ce qu'on a pu en savoir, l'intégration entre Bootstrap et Angular était plus... facilitant, disons. Mais nos intégrateurs n'avaient aucun problème à travailler avec Foundation ou avec Bootstrap, ceci dit. Là, ça se ressemble quand même. Là. Voilà. Au niveau des ressources numériques, comme je le mentionnais tantôt, on a beaucoup d'abonnements à BNQ pour des ressources externes. Ici, comme je croyais que l'auditoire était plus centré sur sur l'informatique, le développement web, on a notamment un abonnement à Safari qui recense à peu près tout ce qui se publie en informatique. Donc, tous les livres de O'Reilly, par exemple, sont inclus dans cette collection-là. Pact Publishing, Vrox, je ne sais plus, là, il y en a plusieurs. Donc, si vous avez besoin de plutôt poser simplement la question à Google, vous voulez un peu plus de détails, allez consulter la documentation d'un système. Vous pouvez passer par Safari Online pour aller consulter ces documents-là. Il y a des milliers de livres là, qui sont consultables. Ceci dit, en ligne, pour Safari, il y a d'autres livres numériques sur lesquels vous pouvez télécharger carrément sur votre tablette ou sur votre liseuse. Des romans, par exemple, on en a plein des romans aussi qui peuvent être téléchargés. Donc, point de vue contenu, qu'est-ce qu'on peut faire avec BNQ numérique au niveau des ressources? On peut apprendre une langue étrangère. On est abonné à 4 fournisseurs de méthodes de langue en ligne, le plus gros étant Rosetta Stone. Vous vous abonnez à BNQ, service à distance, vous pouvez apprendre une langue étrangère, Rosetta Stone, vous vous faites votre compte, ça ne vous coûte rien. Vous voulez regarder un film d'Ingmar Bergman ou de François Truffaut, même chose, on est abonné à un service qui s'appelle Criterion Collection, c'est gratuit. Vous vous authentifiez dans notre système, vous allez chez Criterion. Vous pouvez regarder Bergman, je pense qu'on a 15 films de lui. Mais je dis « on », mais c'est le fournisseur, mais on est abonné pour vous. Emprunter des livres numériques, on offre le service prénumérique.ca. On offre aussi Numilogue, qui est français, je pense que c'est Flammarion qui est derrière. Et le distributeur Overdrive, pardon, américain, pardon, pour les livres en anglais. Si vous voulez lire des journaux et revues du monde, on a plusieurs fournisseurs aussi, notamment ce que vous voyez à droite, c'est un fournisseur qui s'appelle Press Display. Puis il y a une application qui s'appelle Press Reader. Vous pouvez avoir le jour même accès à peu près à
2000 publications, je crois, des journaux du monde. Je disais justement à la femme de mon cousin, qui est albanaise, qu'elle pouvait avoir, je pense, 3 ou 4 journaux d'Albanie, l'édition du jour sur sa tablette, si elle voulait pouvoir les lire. Il y a plusieurs revues aussi dans toutes sortes de sphères, là. Et ça encore, c'est gratuit, si vous voulez y avoir accès. La capture d'écran, je l'ai fait dans l'autobus hier soir sur mon téléphone portable, parce que ça, c'est une application qui permet, entre autres, si vous venez à la bibliothèque, d'être authentifié une fois dans le réseau chez nous, et pendant 21 jours, vous avez accès à la publication du jour même sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette, là. Autrement, il y a une application qui est web, là, qui n'est pas nécessairement sur le téléphone mobile pour y avoir accès aussi. Une des applications les plus populaires aussi, c'est pour écouter de la musique en ligne ou en différé. On a plusieurs services, dont, je ne le dirai pas, OneDTouch et Hoopla, qui sont très populaires, mais le plus grand fournisseur de musique en ligne, c'est Naxos. Et on vous offre de la musique en ligne, d'écoute en streaming de musique via Naxos. Mais vous pouvez consulter aussi des cartes et plans, carte de Champlain, dans ce cas-ci, en ligne. Voir des photos. On a une collection quand même assez impressionnante de photographies, dans ce cas-ci, Félix Leclerc. Regardez des vidéos. On a eu une donation du Festival de jazz de Montréal, Festival international de jazz. Ça, c'est Zachary Richard, il y a longtemps. On a, je pense, 200 ou 300 spectacles qui sont en streaming sur notre site. On en a beaucoup d'autres aussi, là, qui ne sont pas nécessairement du domaine du jazz. Et la presse écrite, qui est quand même un créneau assez important pour faire de la recherche sur l'histoire du Québec notamment, là, ou la recherche même généalogique. On a beaucoup de généalogistes qui viennent chez nous pour consulter les chroniques nécrologiques, pour remonter dans la généalogie. Au niveau des médias sociaux, on a intégré les Twitter Cards et le Knowledge Graph de Facebook, pour pouvoir contrôler un petit peu mieux qu'est-ce qu'on veut convoyer comme message quand les gens partagent une ressource à l'intérieur de BNQ numérique. On veut aller plus loin que ça. Je pense que là, c'est juste pour faire un peu de marketing au niveau des ressources qui sont dans BNQ numérique. Mais on va engager sous peu un gestionnaire de communauté qui va nous aider un peu mieux à contrôler le message et l'activité des médias sociaux autour de cette plateforme-là pour créer un petit peu d'engouement. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, on veut aller chercher aussi les usagers pour qu'ils nous aident à pouvoir décrire des items. La phase 1 de BNQ numérique, c'est vraiment axé sur les grands corpus documentaires. Mais dans la phase 2, on va commencer justement à intégrer un petit peu plus les items de ces collections-là, donc les éléments qui sont composés dans les collections. Comme je le mentionnais, on a beaucoup de choses qui ne sont pas décrites à la pièce et on va avoir besoin des usagers pour nous aider à faire ça. Donc, l'écosystème qu'on cherche à bâtir avec tout ça, basé sur des technologies AngularJS, comme je l'ai mentionné, pour la couche qui est en front-end, Bootstrap. On a développé un API aussi qui permet de parler à la couche très, très back-end, là, qui est vraiment enfouie dans des bases de données. Chez nous, on fonctionne beaucoup avec Oracle. En fait, on a bâti la source de données avec Apex, qui est un outil RAD, là, Rapid Application Development, pour bâtir des applications web, mais là, on s'en sert vraiment en système de back-end, si on veut. Pour pouvoir avoir une expérience un petit peu plus fluide en front-end, on utilise un index qui s'appelle Solar, qui est de la Fondation Apache, et qui nous permet de créer des facettes. Donc, nous, notre spécialité en tant que bibliothécaire, c'est de bien décrire, d'ajouter des métadonnées aux documents qu'on a chez nous. Et l'index Solar nous permet justement d'exposer tout le raffinement, tout le rehaussement intellectuel qu'on donne à ces documents-là. Donc, on sépare, évidemment, auteur, titre, l'année de création, mais on peut aller un peu plus loin que ça. On peut aller aussi loin que la couche d'indexation nous permet en affichage.
Shibboleth est un système d'authentification que nous utilisons chez nous, qui est beaucoup en place dans les universités. C'est une authentification qui peut se fédérer. Éventuellement, si on voulait pouvoir amener d'autres organisations à s'authentifier dans notre système, Shibboleth permet de faire justement cette chose-là. Et un des défis technologiques qu'on avait sur les bras, c'était de pouvoir donc s'authentifier dans notre système et ensuite aller chez les fournisseurs externes. Tantôt, je parlais de Press Display, par exemple, où il y en a 260 fournisseurs externes comme ça qui sont disponibles. Bien, il faut que vous ne devez pas vous authentifier dans chacun de ces fournisseurs-là. Donc, EasyProxy vous permet justement de faire une authentification unique sans devoir vous réauthentifier dans les systèmes qui sont à l'extérieur. Donc, finalement, on assigne une adresse IP qui est comme connue chez nous et qui est transmise aux fournisseurs de services externes. Au niveau Angular, donc qui est la couche de front-end, on a eu plusieurs défis autour de cette technologie-là. On a fait un choix d'aller vers quelque chose qui est quand même très largement supporté. C'est Google qui est derrière cette technologie-là. On pensait que c'était pour être relativement facile. Chez nous, on a une pratique qui est beaucoup basée sur des frameworks comme jQuery, par exemple. Et on pensait que c'était aussi facile à maîtriser que jQuery. Puis finalement, ça a pris quand même plusieurs mois, je dirais, pour que nos intégrateurs puissent appréhender cette technologie-là. Ce qu'il y a de bien, bon, quand même, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui sont... La complexité est transposée beaucoup dans le back-end. Il fallait être extrêmement précis dans ce qu'on voulait afficher. Donc, ça a forcé les développeurs à se parler, le back-end et le front-end. Ces deux équipes différentes, ils ont dû beaucoup se parler. La gestion des déploiements aussi a été assez complexe. C'est une technologie Angular qui, finalement, BNQ numérique, là, je fais une petite parenthèse, c'est à peu près 3 pages qu'on a créées pour le moment. Et via l'API, ben, on injecte de la donnée dans ces pages-là. On injecte ça directement dans le browser. Ça nous amène des éléments de complexité, notamment pour ne serait-ce que la navigation. Si on veut faire un back, le back n'existe pas. Hein, c'est pas propre à Angular, là. Il y a d'autres frameworks qui font ça. Fait qu'il faut déterminer des routes, justement, pour dire, OK, là, on s'adresse au DOM dans le browser. On dit, OK, là, il va se passer telle chose si on clique sur « back », par exemple. Puis comme nous, c'est beaucoup un outil de recherche avant d'arriver à la ressource, bien, il fallait qu'on puisse contrôler ce message-là. C'est ce qu'on appelle du pre-rendered HTML aussi, ce qui fait que quand vous ouvrez la fenêtre pour voir le code à partir d'une des pages, vous dites, oh, mon Dieu, il y a juste ça. Pas beaucoup de lignes de code, alors qu'il devrait en avoir beaucoup plus que ça, parce que c'est une technologie qui ne permet pas nécessairement au browser d'afficher le code qui est envoyé à partir du back-end. Donc, si on veut afficher des choses, en fait, si on veut rendre disponible au moteur de recherche des informations, comme des métadonnées notamment, bien, il faut les coder spécifiquement à l'intérieur du framework de Angular. Bon, je passerai par-dessus les différentes erreurs. Au front-end, dans les collections patrimoniales, comme je vous avais mentionné, il y a eu plusieurs couches de sédimentation là, qui ont été faites, toutes sortes d'interfaces qu'on a bâties dans les 15 dernières années, disons, qui ont des looks très différents, qui ont des outils aussi différents, ce qui ne permet pas de faire une recherche unique. Fait que ce qu'on vise avec la phase 2, notamment sur laquelle on vient de commencer à travailler, c'est de rassembler cette offre-là dans une offre unique où, par exemple, on commencerait à taper, si on s'intéresse aux documents produits par l'artiste Roland Giguère, on commence à taper et dès lors, on peut déjà voir les couches s'afficher, la couche de résultats, pour dire, ben, on a tant de résultats dans les estampes, les enregistrements sonores, par exemple, ou des textes numérisés à propos de Roland Giguère. Cette consolidation de ressources-là va permettre donc d'être beaucoup plus efficace à nos usagers dans leur recherche d'informations. Pardon. Les bibliothécaires, on aime beaucoup montrer ce qu'on fait. Hein. Je sais, j'en suis un aussi. Et on avait le mauvais réflexe de montrer plus nos métadonnées, comme elles étaient complètes et belles, avant de montrer le contenu.
on veut vraiment inverser cette tendance-là et plutôt montrer le document ou la ressource avant de montrer les métadonnées comme telles. C'est une des prérogatives de cette interface-là. La commercialisation, je vais passer par-dessus. Le crowdsourcing, je le mentionnais tout à l'heure aussi, c'est pour répondre à au principe directeur que l'utilisateur et les usages sont au centre de tout. L'utilisation d'une indexation personnelle, l'utilisation aussi de listes dans lesquelles les gens vont pouvoir se créer des coups de cœur, des listes personnelles de documents aussi qu'ils pourront partager et l'ajout de mots-clés aussi vont nous permettre d'avoir une indexation beaucoup plus performante dans cette application-là. Les données ouvertes aussi font partie de la phase 2. On participe depuis déjà plus de 4 ans au gouvernement ouvert. On envoie des documents là-dedans et j'ai vu que hier, en fait, il y a eu le dévoilement pour ceux qui étaient dans cette salle ce matin. On en a parlé. Le nouveau site web de Données Québec, là, dans lequel les municipalités ont ajouté leurs données. À BNQ, on a déjà plusieurs jeux de données qui sont disponibles là-dedans, mais on a un potentiel très, très grand aussi de pouvoir en ajouter. Donc, c'est sûr qu'on va aussi en ajouter dans le portail de Données Québec, mais on va se créer une section de données ouvertes dans la prochaine itération, dans la phase 2 de BNQ numérique. On a un paquet de choses, notamment, je prends juste l'entrepôt de données de BNQ, toute transaction au catalogue est consignée dans un entrepôt de données. Donc, les prêts, les retours, on a les titres de documents, la catégorie documentaire. On a environ 11 ans de statistiques à raison de quoi 100 000 transactions par semaine. Et là, on peut avoir une source de données extrêmement importante pour... disons, voir les habitudes de lecture des Québécois dans les 10 dernières années. Est-ce qu'on voit, par exemple, qu'en été, les gens empruntent plus de romans légers, de polars pour les vacances, et qu'à partir de septembre, peut-être qu'on va dans le plus sérieux, ou même, je ne sais pas, moi, la tendance fait-elle qu'on emprunte plus de documents, des CD, DVD, pardon, des séries télé que des romans? Ça, c'est le genre de données qu'on va rendre disponibles aussi. À propos des données structurées qu'on veut rajouter dans BNQ numérique, je vous fais un petit exemple. Le Centre Vidéotron, ici à Québec, bon, on voit, il y a une section sur la droite, « Événements à venir ». Bon, hier, il y avait Rihanna, par exemple. Le réflexe pourrait être de se demander, mais comment... ils ont fait pour savoir chez Google qu'il y avait un concert de Rihanna à Québec. C'est de l'information un peu intangible, ça. C'est pas nécessairement indexé facilement. Ben oui, maintenant, c'est indexé assez facilement. Pardon, parce qu'on peut aider Google, et pas juste Google, mais les moteurs de recherche, à être un petit peu plus intelligents. En rajoutant des métadonnées dans nos pages web, notamment, des scripts, pour renseigner des types d'événements prédéterminés. Il n'y a pas juste des événements, hein, vous pouvez rajouter plusieurs choses. Nous, on le fait maintenant pour nos événements, pour justement s'assurer qu'on va avoir une très, très bonne indexation par les moteurs de recherche. Au niveau de BNQ numérique, on a renseigné chacun des corpus documentaires avec des métadonnées spécifiques. Notamment, on utilise du JSON-LD là, pour bien baliser l'information. Et ça, c'est compris maintenant par Yahoo, Bing et Google dans leur moteur de recherche via un site qui s'appelle schéma.org. Là, on peut déterminer quel schéma de données on peut employer pour l'information qu'on veut encrypter dans nos pages web. Dans ce cas-ci, on utilise le schéma Creative Work qui nous permet de bien décrire la donnée en question, en espérant qu'on va avoir une bonne représentation dans les moteurs de recherche pour le type spécifique d'information qu'on veut présenter. Pour savoir si on a bien respecté la structure, Google offre aussi un outil nous permettant de voir quelles sont les données structurées qu'on a enregistrées et faire une validation aussi de ces données-là. Je vais prendre un peu d'eau. Comme une grippe qui ne veut pas sortir.
Au niveau des données ouvertes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je voulais vous montrer aussi vers où on veut aller avec nos données, éventuellement. Ici, vous avez un escalier qui vous présente la gradation vers laquelle on veut aller, là, vers le 5 étoiles. Les trois premières marches sont assez relativement faciles à faire. Vous exposez vos données. En PDF, ce n'est pas recommandé, évidemment, parce que la donnée est enfermée dans un format propriétaire. À la limite, un format Excel peut peut-être convenir. Un format CSV est encore beaucoup mieux. Puis c'est ce qu'on retrouve dans le portail de Données Québec. Nous, on l'alimente avec... on a quelques CSV. On a beaucoup d'XML aussi. On a du XML en format RSS, en KML aussi, pour les adresses des édifices de BANQ. Trois premières marches, relativement facile. On monte à la quatrième marche, format RDF, qui est un format qui commence à être un petit peu plus intelligent. On commence à qualifier la donnée qu'on veut exposer. Et nous, on s'en va vers là. C'est à cette marche-là qu'on commence à créer des triplets. Le triplet, je vais vous en parler tout à l'heure. Et l'étage supérieur, c'est vraiment le web sémantique. On a un potentiel immense avec ce qu'on a dans nos données pour aller sur le web sémantique, qui est le format 5 étoiles. Là, c'est un peu le nirvana, si on veut, de la donnée. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Ça ressemble à un œuf, peut-être. Une espèce de galaxie avec trois nœuds principaux en son centre, DBpedia, GeoNames et FOAF. Le web sémantique, c'est ça. Ça ne dit pas grand-chose quand même. DBpedia, c'est une représentation sémantique de Wikipédia. Wikipédia, on pense que ça peut ressembler à du texte libre comme ça. 5 minutes. Ouf, OK. mais il y a des gens qui en ont fait une transposition pour découper le texte qui est dans Wikipédia pour pouvoir s'adresser à cette donnée-là spécifiquement. Ça, c'est un des... si je fais un zoom-in. Le petit point rouge, c'est mon BANQ numérique que je veux insérer là-dedans, à côté de data.bnf.fr, BNF, Bibliothèque nationale de France. Ça serait notre secteur pour commencer à mailler, justement, nos données avec d'autres organisations qui ont des données ouvertes liées. Je fais vite. Il y a un changement de paradigme. En ce moment, on est dans un web de documents. Vous avez une URL qui pointe un document HTML, vous pointez un document PDF aussi, mais généralement, on pointe des documents qui sont en HTML. En ce moment, il est en train de se vivre justement un changement. On passe à un web de données où une URI va pointer une donnée, par exemple. Petit exemple, jfgauvin.bnq.qc.ca, c'est mon adresse de courriel à moi. Fait un peu de français, là. Le sujet, le prédicat et l'objet constituent un triplet d'informations. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Et ce triplet d'informations-là peut faire en sorte que par une URI, et non pas une URL, on peut pointer maintenant, par un lien direct, mon adresse de courriel. Que je peux à ce moment-là, je peux interagir avec cette information-là pour pouvoir jouer avec, en fait, la mailler avec d'autres types d'informations. Et l'organisation de cette information-là est faite dans le web sémantique. Il y a des gens très compétents qui décrivent les relations syntaxiques, justement, entre les différentes données pour pouvoir interagir avec. Et le nuage que vous avez vu tout à l'heure, ben, c'est un peu ça. Les gens qui ont défini des liens entre ces différentes applications-là. Alors, pourquoi on ferait ça? Pourquoi nous, on veut être le petit point rouge dans cette galaxie-là? C'est pour décloisonner notamment les contenus et les rendre accessibles sur le web. Ça permet aussi d'enrichir nos données avec des choses qu'on ne fait pas. Enfin, par exemple, moi, gérer une liste de noms de pays, on ne fait pas ça chez nous. Mais il y a des gens qui le font. Je peux lier mes données à leurs données pour être sûr d'avoir la bonne information. Ça augmente la qualité de l'indexation, forcément. Si je me lie, par exemple, à GeoNames, qui, eux, ont la responsabilité de bien décrire les noms de lieux géographiques,
j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de le faire, ils le font très, très bien. La désambiguisation de sens aussi. Par exemple, si je parle de Vénus, est-ce que je parle de la planète? Est-ce que je parle de la peinture de Botticelli? Est-ce que je parle de la déesse? Est-ce que je parle... Enfin, vous voyez, ça permet de faire ce genre de choses-là. Et ça permet de développer aussi des nouveaux services. Je vais passer rapidement. Il y a déjà plusieurs sites. Là. Il y a la BNF, notamment. BBC Music, qui est un site qui ne s'alimente que de web sémantique. Ils vont chercher de l'information dans Music Brains, par exemple, Wikipédia, Soundkick, pour aller chercher de l'information. Ça aussi, je vais passer rapidement, parce qu'il y a une technique d'interrogation du nuage là, qui s'appelle le Sparkle, qui est du SQL, finalement, mais vraiment adapté pour le web. Vous voyez, pour ceux qui sont des développeurs, c'est une requête, tout simplement, qui ressemble à du SQL un peu classique, là, où on va chercher certaines zones d'information pour pouvoir la reconstituer. Alors, BNQ Numérique, c'est un projet qui est en devenir, financé par le ministère de la Culture et des Communications. On a 4 phases. On vient de compléter la première. Je vous invite à aller sur le site et explorer les différentes ressources qui sont disponibles pour vous. Merci. Merci beaucoup, M. Gourvin. On arrête 2 minutes s'il y a des questions. J'ai l'impression d'avoir parlé 5 minutes seulement. Nous aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une application mobile ou c'est seulement sur le web? Il n'y a pas d'application. Pour l'instant, on a choisi plutôt le web responsive, qui nous permettait de ratisser quand même de façon extrêmement large, mais ce n'est pas exclu qu'on puisse peut-être faire des applications dédiées à certaines choses spécifiques. Pour l'instant, il va très, très, très largement en web responsive.